Regardez les aventures de Franco, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez au maximum. Ok. Malheur à celui qui ne va pas s'abonner. Vous qui aimez toujours dire oh, les Camerounais là font quoi? Oh, ils ont fait quoi? Vous-même, vous avez fait quoi? On a vu. Abonnez-vous, oh, les gars. Et celui qui ne s'abonne pas sur cette chaîne, c'est le Tchaka. Alors, c'est un Tchaka même plus. Parce que vous allez lire la claque Badjoum. Abonnez-vous. Donc, le pays est dur. Le pays est fort, c'est fort. Tu marches parce que tu ne trouves rien à faire. Tout ce que tu marches, ce que tu vois, tu fais. Ce que tu ne vois pas, tu ne fais pas. Pas le choix, et vous pensez qu'aller en Europe, ce serait un avantage pour vous? Parce que laissez-moi vous dire une chose. Hein. Je vous conseille de rester au pays parce que, honnêtement, si je trouvais moyen de revenir, rester là, définitivement, je l'aurais fait depuis. Eh bien, quand, avec toute la pression là. Grand frère, toi tu veux nous décourager. Il dit que même s'il faut cirer tes chaussures, on va aller ensemble, grand frère, on va aller ensemble. Attendez, dites-moi un peu, vous faites comment pour consommer autant de bières? C'est quelle mentalité ça? C'est quel esprit ça là? Vous pensez qu'avec cette attitude là, vous pouvez vivre en Europe? Ça se passe pas comme ça en Europe, hein? Écoutez-moi bien. Franchement, je ne peux pas amener les personnes qu'on voit en Europe. Déjà même, ce n'est pas moi qui vous amène. J'ai dit au départ que si vous avez votre billet, vous avez votre argent pour payer votre billet d'avion, il n'y a pas de souci, moi je peux vous loger. Mais sachez qu'en Europe, si tu as deux bières, tu te rendras compte. Hein? Oui, laissez votre mentalité là ici en Afrique. Vous faites ça comment? Mais grand frère, à part ça ici au pays, on n'a rien à faire. Donc, l'Europe là, on va se marier ensemble, grand frère, on va aller ensemble. Ah ben là, je pense que ça ne serait pas avec moi. Hein, parce que ça, avec ce que je vois là, franchement, il faudrait déjà penser à laisser tout ça derrière vous. D'accord. Oui, parce que vous le savez, même aux personnes qui pourraient voyager avec les bouteilles de bière dans les valises. Okay, oh. Donc, quand tu es venu donner le leçon, hein, mon gars, n'ignore pas que quand tu étais ici, on buvait comme ça 18. C'est vous qui buviez 18. Moi, je ne buvais pas de bière avec vous. Hein. Parce que là, je remarque que vous n'avez pas changé de mentalité. Gabon, toi, tu ne peux pas, c'est vrai, mais tu charges la table, tu bourrais la table. Oui, mais ça a changé en Europe, c'est pas ce que vous pensez là. En Europe, ça se passe pas comme ça. Grand frère, on voit que tu es un peu mal à l'aise. Ah. Donc, vide nos biens, on te retrouve à l'hôtel avec madame. Parce que, apparemment, tu n'es pas consommateur et ça te dérange tellement. Oui, allez-y. Mais surtout quand vous engagez à venir dans mon hôtel, rassurez-vous que vous soyez bien ici. Grand frère, est-ce qu'un Camerounais est lucide? Bon, tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, allez-y. Aucun Camerounais n'est lucide. Tu penses, mon gars? Tu as vu ça? Allez, on peut pas le voir, s'il te plaît. Vous pouvez aller en Europe avec ce genre de mentalité là. Un grand qui est avec eux, madame. Il a confiance, il est encore là. Non, il est là. Okay. Donc, après, tu c'est un benguiste, il a l'argent. Ah, okay, tu peux mettre à 9 000, il va payer. Donc, il va même parler d'anglais. Oui, il va payer. Okay. C'est un grand. D'accord. Bon, mon frère, merci beaucoup. Ok, papa, merci. Bonne journée. Merci. Et ils ont fini de boire, c'est toi qui as saoulé ou quoi? Ils t'ont pas payé. Toi, tu viens me demander de l'argent. C'est moi qui ai passé la commande de bière là. Tu m'as vu en train de boire la bière, petit. Grand, je ne suis pas en train de rigoler. Hein. Je ne suis pas en train de rigoler. Voilà, ils m'ont dit que tu es un voyageur, que tu vis en Europe, que tu es leur frère. Ils m'ont retrouvé, ils étaient assis là-bas en bas. Et je suis venu me raconter les histoires ici là. Ils ont dit que c'est toi qui payes, que c'est toi qui que tu as l'argent, que c'est toi qui payes. Moi, ils vous ont vu ensemble. Mais c'est que ce sont tes frères. Comment tu les me raconter encore qu'ils n'ont pas payé la boisson, ils n'ont pas payé la boisson. Vous avez encore dit quoi? Oh, grand frère, pardon, donne-moi mon argent. Je ne suis pas là pour tous les trucs que tu me racontes là. Donne-moi mon argent. Bon, petit, écoute-moi bien. Je vais te dire une chose. Déjà, je n'étais pas passé la commande de bière. Et quand je suis arrivé ici, je l'ai trouvé assis là. En tout cas, pour bon coup. Bon coup. On va aller et puis je vais te donner ton argent. Où, grand? Où, comment? Tu veux ton argent ou pas? Je suis en service, grand. Mon problème, c'est quoi? Je m'en fous. Où tu fais? Toi, tu viens prendre ton argent. Tu veux quoi? Tu veux ton argent, non? Fais, et puis on s'en va, je vais te donner ton argent. Non, je vais d'abord signaler à ma grande soeur. Je vais d'abord signaler à ma soeur. C'est pas mon problème, signale même à ta grand-mère.
Il ne faut pas raconter du message. Dégage-moi devant moi avec les machines. Ça, c'est même quoi ça? J'attends quoi? Je dis, mon petit, c'est ta soeur. C'est ma grande soeur. Ta grande soeur, hein? Oui. Donc ça veut dire que c'est elle qui est la propriétaire du bar. C'est elle, c'est son bar. Ok, d'accord. Écoutez-moi, madame. Moi, je suis venu ici là parce que mes petits m'ont appelé. Et après qu'ils aient consommé tous ces bouteilles-là, ils me ramènent une facture de 7200. Mais disant que c'est moi qui allais les régler. Je lui ai dit que je n'ai pas une facture à régler ici là. Et je n'ai pas voulu qu'on en arrive à un niveau. Voilà, parce que moi, je sais respecter les gens. Alors si vous appelle, c'est parce que je vais demander qu'il me suive et je vais lui donner son argent. Où suis-je? Vous voulez votre argent ou bien c'est là, il va me suivre qui est content. Mais dis-nous où on va te suivre, non, grand-père. Mon ami, tu me suis, je ne suis pas un enfant. Je vais te donner ton argent, je ne suis pas loin d'ici. Je ne suis pas sorti avec mon portefeuille. Parce que je venais de trouver mes petits. J'espère que ça ne mettra pas long. Je dis, on vous a dit qu'on ne va faire un examen. Hein? Vous voulez votre argent, oui ou non? Je veux mon argent. Alors, c'est quoi le problème maintenant? Dis-le, mon grand. On ne fait que marcher depuis plus de 10 km justement derrière vous. Il vous suit seulement comme le chien suit son berger. C'est même comment? Grand frère, donne-moi mon argent. Hein? T'es-tu que tu as fait? Tu me fais parcourir tout le quartier, c'est comment? Mais je dis, petit, donc tu étais encore derrière moi? Je pensais que tu t'es découragé jusqu'à partir, petit frère. Mais découragé comment, non, grand? On te décourage sous l'argent. Comment tu parles? Tu consommes mes biens, tu me demandes de partir. Grand frère, il veut mon argent. Oh, grand frère, je ne veux pas les blagues de midi, là. C'est même comment? Je dis, petit, tu sais même à qui tu es en train de parler, là. Tu es qui? Laisse-moi les mots de Yaoundé, là. Je vois que tu as des tendances suicidaires, petit. Ok. Grand frère, tu veux m'intimider avec le crâne? Grand frère, laisse ce que tu veux me montrer là. Si c'est pour une histoire de crâne, nous avons les crânes, nous avons tous les crânes. Mon ami, on a les crânes. Mon ami. Tu as même, c'est vrai quand même. Tu as l'air quand même de ressembler mon sou. Tu te prends pour qui? Hein? Je t'ai dit quoi? Donc tu étais à côté derrière moi. Tu oses me suivre. Quand tu regardes ma tête là, on a la même tête. Donc c'est vrai qu'il m'a prêté aussi à mettre une latouf, mais je ne fais plus faire grand, pardon. Ferme ta bouche, quand tu regardes ma tête, ça ressemble à ta tête. Grand, je blague. Est-ce qu'on a la même tête? Non, grand, c'est juste que je m'a prêté avec l'autre, je touffe derrière. Oui. Il fait ça ce qui me dit qu'on a le même. Grand, je m'étouffe. Grand, pardon, pardon, je blague. Blague. Oui, 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 grand, pardon. Pardon. N'importe quoi. Je t'ai bien dit, c'est la dernière fois. Oui, grand. Oh, les petits là. Occupez-moi. Mais si vous m'avez dit que vous partez. Oui, grand. Tu prends pas ton faux quartier. Ça, c'est un vrai. Tu prends pas ton
La Chine comment? Tu tapes souvent même 50 personnes au quartier, non grand? C'est 4 personnes seulement, tu dis la Chine comment? Calme-toi. J'ai confiance en toi, non? Calme-toi, mon petit. Oh, oh. Grand frère, voici les gringalets qui tentent de me manquer du respect. Les gringalets, c'est vous qui osez menacer mon petit. Hey, vous attendez quoi? Tu vas mettre de côté. Hey, grand, monte là. Moi le gars là. Hey, t'as qui frère? J'ai mon confiance, mon grand, mon bon grand. C'est une histoire de quoi là? Mon petit. Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Écoute-moi bien petit, tu vas lire l'heure. Si vous avez tous des tendances suicidaires, alors bienvenue à la soucie, petit frère. Alors comme ça, tu es venu régler le problème de ton petit, c'est ça? C'est toi son mentor. Petit, tu m'as même tapé un moine. C'est un moine? C'est quoi encore un moine, non grand? Quelqu'un qui saute dans la 6e chambre de Shaolin. Grand, laisse-moi le français là. Ouais, oh. Un petit gringalet, un mingre, tu comme ça, peut pas te taper. Tu as tapé un stade de football dernièrement, non, 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 grand. Tu n'as jamais regardé un film chinois? Un film chinois, c'est encore. Grand frère, massacre-moi le. Tu l'as fait. Grand Full Black, je suis désolé. C'est mon petit. Je savais pas que c'était toi. Grand, moi, j'ai mis ça sur toi. Mon petit, tu l'as fait. Tu l'as fait. Grand Full. Je ne savais pas que c'était toi. Black. Tu ne savais pas que c'était moi. Mais tu t'es permis de te déplacer pour venir régler un matin. C'est mon petit. Petit, tu fais ça comment? C'est mon petit. Hein? C'est mon petit. Tu fais ça comment? Black. Est-ce que tu aurais des tendances suicidaires? Non, non, non. La prochaine fois, tu t'engages à venir régler les problèmes. Rassure-toi que tu auras assez de force. C'est mon petit. C'est mon petit. Il dit non. Mon petit. Tu es encore là? Non, non, grand. Hein? Non, grand, non, non, là. Non, 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 je fais encore quoi, grand, je fais quoi, yé. Revenez. J'espère que les choses vous ont plu, j'espère que vous avez aimé. Alors, si vous n'avez pas encore regardé, c'est le moment de suivre attentivement avec Vision Movie TV. Oui, c'est le nouveau concept qui arrive avec moi. Et ça va prendre feu. Merci, merci encore mes frères et sœurs, merci mes fans d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification, les amis, pour recevoir les notifications des prochains films. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Je vous attends en commentaire, on va discuter un peu.